Allô les explorateurs, ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts à faire notre première activité ensemble? Oui? OK. Aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle des sun catchers avec de la glace. Puis qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? C'est de l'eau, un contenant circulaire comme ça pour une tarte ou pour un gâteau, c'est bon. Mais tu peux le faire dans n'importe quelle forme que tu veux, carré aussi. On va avoir besoin de la corde, soit un ruban, n'importe quoi pour l'attacher. Puis pour ceux qui veulent aussi, on peut utiliser un petit contenant comme celle-ci, mettre du riz ou des roches dedans. Et puis là, on l'insère dans l'eau. Et là, quand ça va geler, ça va faire un trou où on peut attacher notre corde. Mais il nous manque des choses. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'eau? On va-tu mettre des choses peut-être de dehors? Oh, ça serait tellement beau! Mais sais-tu quoi? Il faut faire certain que c'est toutes des choses qu'on trouve dehors ou qui vont pas faire mal à l'environnement et polluer l'environnement, comme des choses qui sont dégradables dans la terre. Puis si qu'elles tombent par terre, ça va juste créer des nutriments pour la terre. Alors, on va aller trouver nos choses? OK, vite! Alors, si vous êtes comme moi, puis vous n'avez pas beaucoup d'arbres ou autres endroits que vous pouvez aller chercher des choses dans votre cour à la maison, vous pouvez aller trouver un sentier dans la communauté qui a des arbres et autres items que vous pouvez ramasser et aller prendre une belle marche pour aller chercher des choses. Alors venez, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Alors, ici, dans cet arbre, j'ai trouvé des petits bourgeons qui seraient parfaits pour notre sun catcher. Vous voyez? C'est beau, on va le mettre dans notre sac. On va aller voir quoi d'autre qu'on peut trouver. Puis ici, j'ai trouvé des petites fleurs qu'on peut aussi mettre dedans notre sun catcher. On le met dans notre sac et on continue. Ici, par terre, j'ai trouvé autre chose. On en prend juste un petit peu. Comme ça. Et on le met dans notre sac. Et là, on continue sur notre belle marche en trouvant des choses qu'on peut mettre qui sont dégradables dans notre sun catcher. Et puis quand on a fini, on peut retourner à la maison puis les mettre ensemble. Alors maintenant, avec les choses que nous avons ramassées, on va assembler notre sun catcher. Alors, on prend notre bol. OK, on la remplit avec un peu d'eau. Pas beaucoup. Vous pouvez mesurer même avec votre doigt comme ça. Tu mets ton doigt sur le côté et puis tu mesures. À peu près ça. On peut en rajouter si on a besoin d'autres. Maintenant, on va faire certain que notre corde est bien mise dedans. On va faire comme ça. Puis tu dois juste l'asseoir dans l'eau. Je vais enlever mes gants, ben ça va être trempe. Juste l'asseoir dans l'eau comme ça. Puis là, elle va geler dans l'eau. Là, on prend nos morceaux, puis on les met dans l'eau, comme qu'on veut. Comme ça. Autre chose qu'on peut aussi mettre dans notre sun catcher, c'est des plures d'orange, des plures de pommes. On peut aussi mettre des grains d'oiseaux. Toutes sortes de choses qui vont pas faire mal à l'environnement puis qui vont juste se désintégrer dans la terre une fois que le sun catcher va fondre. Parce que si on le laisse dehors ce soir, il va geler, mais une fois qu'il commence à faire chaud, ça se peut que le sun catcher va aussi fondre. Mais les choses qui vont tomber à terre vont pas faire mal à l'environnement. Alors, il y a deux options. Vous pouvez laisser votre sun catcher dehors. Pour le laisser geler pendant la soirée, ça va peut-être prendre une couple de jours, ça va dépendre si il fait froid. Ou vous pouvez aussi le mettre dans votre réfrigérateur pour le geler aussi. Puis si vous voulez faire un trou pour votre corde, vous pouvez prendre votre petit contenant avec des roches. On peut enlever la corde, puis juste l'insérer comme ça. Puis quand ça va geler, ça va faire un trou où ce que on peut maintenant
une fois que c'est gelé, attachez le suncatcher. OK? Laissez-moi savoir comment votre suncatcher est allé. Laissez-moi des photos. J'aimerais vraiment ça voir qu'est-ce que vous avez fait. À la prochaine, les explorateurs!